Bon matin, j'espère que ça va bien. Là, tiens, on s'en vient, on commence à se brancher. Salut la gang, j'essaye de voir si vous pouvez. Allô? Bon, ben tiens, allô. Ça marche. Hey, je trouve que ma salle est écho. Comment est-ce qu'ils sont? Vous pourriez me dire ça? Comment est-ce qu'ils sont? Vous pouvez peut-être ouvrir la porte. Dites-moi donc ça, comment est-ce qu'ils sont? Bon matin, Miss, passe une excellente journée. Merci, Stéphane. J'espère que ta chasse a bien été. Hein? La semaine passée, tu étais à la chasse à Longueuil, à moins que tu es encore là, je ne sais pas. Bon, I guess qu'ils sont au jour, le son est bon. Super! Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Fait que là, on a une petite minute de fête. J'espère que vous avez le temps. Bon matin, Joanne, bon matin! Ah, c'est tellement beau, hein? J'espère que vous profitez de l'automne. C'est merveilleux, magique, tellement c'est beau que les couleurs sont là. Hey, un matin, sujet deep. Pas deep. On dirait que je me suis dit, OK, je vais-tu les faire capoter là, avec le sujet, puis pour vous créer des tocs, là, tu sais. Hey, bon matin, Daniel, bon matin. Bon matin. Bon matin, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, partout. Bon matin. Fait que, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai travaillé quand même plusieurs années pour la Société canadienne du cancer. En fait, j'étais directrice pour le nord de la province, du Nouveau-Brunswick. Fait que j'étais appelée à faire plein de lectures, me sensibiliser encore plus. Puis à la base, je suis une infirmière auxiliaire. Fait que c'est sûr, la santé globale m'intéresse énormément. Ce qui m'intéresse, c'est la prévention. Comment on peut faire pour prévenir, t'sais? Personne ne veut être malade. Personne, on ne veut pas être malade. Mais ici, on veut être malade. T'sais, le mot le plus terrible, cancer, on n'aime pas ça. T'sais, je peux même pas imaginer d'être assis dans un bureau de médecin puis on t'annonce ça, le drame que ça doit être, les émotions que tu dois sentir. Ça doit être un tsunami là, émotionnel. En tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que c'est ce que je vivrais, mais peut-être que non. Puis, il y a une dame que j'entraîne, ça fait quand même près de 2 ans, puis elle vient de se faire apprendre, elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sang. Je la trouve tellement courageuse, là, elle est en processus, puis là, elle vient au gym quand même s'entraîner. Elle dit, je peux pas aller m'entraîner. Elle dit, je vais capoter là-dedans. Elle dit, faut jouer du monde. Faut que je me foute la paix de moi-même parce qu'elle dit, je pourrais pas. Je dis, ah, mon Dieu. Je suis en admiration dans sa façon de réagir. J'ai pas de mots pour vous dire. Mais on est toutes là, on la soutient émotionnellement. Elle continue avec le groupe, elle le dit. Elle a l'attente de voir la chirurgie, tout ça. Mais saviez-vous, c'est important, là, faut écouter, qu'on a le pouvoir dans notre assiette de cancer de couper 50% des cancers qui pourraient être dans notre assiette, dans notre vie, avec différentes, nos avécues, je veux dire nos activités de vie quotidienne. Mais là, il y en a plein. Aujourd'hui, je vais juste vous parler des choses simples qu'on peut garder en tête. Mais je veux que vous sachiez, parce que là, je vais vous donner une liste de légumes et de fruits. Oh, je suis désolée, je n'ai pas fermé mon téléphone. Une liste de fruits et de légumes qui sont les moins contaminés. Puis qui, d'après les études, qui seraient. Qui pourraient, quand ils sont contaminés, porteurs de cancer à la longue. Mais il y a encore plus de bienfaits de manger des légumes qui sont pas dans la liste que pas en manger pantoute. OK? Disons que dans la liste, je vais vous donner qu'il n'y a pas tel légume que tu adores. Ben, il y a plus de bienfaits de n'en manger que pas manger de légumes pantoute. T'sais, si tu manges pratiquement pas de légumes, tu vas manquer de minéraux, de vitamines, toutes sortes de choses. Okay. Bon, faut manger l'arc-en-ciel de légumes. Okay? Mais là, je veux quand même vous énumérer la liste.
Fait que l'étude, ce qu'elle dit, en fait, au niveau des légumes, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ah, mais c'est quand même, c'est un peu logique. Tous les fruits qui ont une grosse pulpe, la banane, il y a une grosse pulpe, la banane, fait le fruit serait beaucoup moins contaminé à l'intérieur avec des pesticides. Puis, tu sais, on ne peut pas planter des bananes au Canada. Ben, en tout cas, peut-être qu'il y en a, puis je ne sais pas. Là. Ben, en tout cas, chez nous ici, on ne peut pas planter de bananes. Après ça, les oranges, mandarines, tu sais, toujours des grosses pulpes, fait moins contaminées. Ensuite, l'ananas, hein, faut prendre un bon couteau, couper tout ça. Le pamplemousse, le melon. Toutes les melons, les pastèques, hein, la pastèque, le melon d'eau, tu sais, c'est difficile, il y a une grosse pulpe. Les prunes, ça, je suis surprise des prunes. Kiwi, c'est très, très bon pour la santé. Faudrait que je vous ferai un shake à un moment donné. Je lave le kiwi au complet, je coupe les tronçons chaque côté, j'envoie ça dans mon mélangeur avec la pluie. Mais il faut la laver ou si on est capable de l'acheter biologique. Sinon, on la lave comme il faut, là, puis c'est bien correct. Puis il y a plein de vitamines là-dedans, puis ça change pas le goût pantoute, puis on gaspille pas. On a pour notre argent, tu manges la pluie. Ensuite de ça, le bleuet. Hein? Le bleuet aussi, ça m'a surpris. J'avais pensé, tu sais, avec tous les champs de bleuet, pour être capable d'en récolter le plus, j'étais vraiment surprise. Mais si on peut aller les récolter nous-mêmes, c'est encore mieux. Tout ça, ce qu'on peut récolter de nous-mêmes, c'est de baisse. Là, hein? La manque, hey, puis c'est-tu bon la manque? Hein? On peut se faire toutes sortes de choses avec la manque, c'est vraiment bon. Puis la papaye. La papaye, c'est pas de quoi ce que je mange beaucoup, mais quand je vais en vacances, comme quand je suis allée au Mexique l'année passée, hey, il y en avait plein. Là, puis j'ai demandé aux gens qui étaient là, qui travaillaient, là, qui savaient comment tu manges ça, explique-moi comment. Puis là, ils nous ont tout expliqué, on a mangé toute la semaine. Je me dis, je n'ai pas mangé pour l'année, mais je l'ai mangé toute la semaine. Ça, c'est les fruits les moins contaminés de pesticides. Puis, je me suis interrogée sur la pomme. Je n'ai pas trouvé encore. Tu sais, la pomme, en tout cas, au Nouveau-Brunswick, on a pas des champs de pommiers, là, mais des vergers. Des vergers, il y en a beaucoup au Québec, en Ontario, pratiquement au Canada, on en a beaucoup. Puis, mais j'imagine que c'est encore la même chose. S'il y a des pommiers qui sont derrière chez vous, vous n'avez souvent dans des champs où ce qu'il y avait des anciennes maisons qui sont abandonnées, il y a souvent des pommiers, là. Fait qu'on va les ramasser, puis on peut les plumer, puis faire d'autres choses. Fait, gardez ça en tête. Mais on capote pas, OK? On capote pas. Les légumes les moins contaminés, je suis donc bien contente. Le brocoli, j'en mange un méchant paquet. J'aime ça, le brocoli. Là, des fois, je pogne des fites, là. Là, j'ai une fite, là, d'une recette que je fais. Fait faut que je vous l'envoie, là. Puis même quand j'en fais plein, ben j'en mets dans le frigidaire. Après ça, vous voyez ça au fourneau, c'est vraiment bon. Je vous ferai ça, là. Faut que je m'écris une note, je vais oublier. Je vais oublier le brocoli. Recette. Bon, OK, on a écrit ça. Le chou-fleur, je n'aurais pas pensé, j'étais vraiment surprise de ça. Chou, champignon, asperge. Tu sais, l'asperge, c'est vivace. Fait, si on peut en planter chez nous, hein, dans une plate-bande, à quelque part, ben, ben, des asperges qui vont pousser à travers des fleurs, ou, tu sais, pourquoi pas, c'est vivace. La tomate, les oignons, l'aubergine, Les petits pois ont moins de contaminants, hein? Après ça, les radis et les avocats. Yeah! Tu sais, c'est quand même une belle variété. Fait si on s'empêche pas d'acheter autre chose, tu sais, on achète l'arc-en-ciel. Faut manger de la couleur. Tu sais, nos carottes, la carotte n'est pas là-dedans. Ben, on mange des carottes. Tu sais, que moi, dans ma tête, à Dani, là, j'essaie de manger le moins transformé. Fait, si je suis capable d'acheter une carotte entière, ben, je la jette au lieu des petits bébés carottes. Mais je choisis mes batailles. S'il y a des semaines plus occupées, ou il y en a qu'on dirait pressées ou achalandées, ben ça se peut que je ramasse un paquet de bébés carottes.
puis je les lave comme il faut, puis ça va faire partie de mon alimentation. Parce que cette semaine-là, cette journée-là, c'était comme ça. Mais quand je planifie à mon horaire, je m'achète des sacs de carottes, je peux les plumer, je les coupe en petits bâtonnets. Au niveau de vos sous, vous allez en avoir plus pour votre argent. Hein? Fait que ça, c'est fun parce que hein, on sait, ça coûte cher. Et on peut dire, on va faire quelque chose, là, puis les prix vont baisser. Pas du tout encore. Hein? Mais en discutant avec plein d'autres gens, parce que moi, j'ai réalisé ça avec ma famille, je suis très concernée par plus que d'habitude à moins gaspiller. Je vais manger ce qu'il y a dans mon frigidaire, dans mon congélateur. Qu'est-ce que j'ai comme légumes congelés? Qu'est-ce qui me reste? Vraiment cuisiner ce que j'ai là. Hein? Si je n'ai pas mes épinards, tu sais, comme j'ai eu la réflexion ce matin, j'ai ouvert mon frigo. Ah, OK, qu'est-ce que j'ai? J'ai des branches de céleri, j'ai des feuilles de céleri. Qu'est-ce que d'autre j'avais? Des tomates. Ma fille m'a apporté des tomates de son jardin. Ils ont mûri. Après ça, quoi d'autre j'avais? J'avais ça. Ah, un chou. Il me reste la moitié d'un chou, puis la moitié d'un navet. Bien, je vais me concocter une salade avec ça ou un stir-fry. Fait, c'est ce que je vais faire. Je vais cuisiner ce que j'ai là avant d'en acheter d'autres. Fait, tu sais, il n'y a pas tout à fait mauvais ni bon. Je trouve vraiment que ça a conscientisé la plupart de nous autres à cuisiner ce qu'on a, puis moins de gaspillage. Sylvie, côté, as-tu une bonne recette de brocoli? Ma sœur, c'est la championne de la recette de brocoli, de sa salade. La salade de ma sœur est vraiment, vraiment bonne. Fait que je vais lui demander sa recette. Puis, je pourrais vous la faire. Vous ferez ça. Elle est vraiment, vraiment bonne, sa salade. Quand elle a fait, ça disparaît. Elle fait des gros plats quand on a des soupers de famille, là. Puis, ouf, la salade part. Fait que, Sylvie, il faut que je me prenne note parce que je vais oublier. Hey, vous me donnez du jeu maintenant. C'est donc belle fois. Salade, brocoli. Puis, mes brocolis au fourneau. Fourneau. OK, mettre ça là. Ensuite, fait que, oubliez pas, là, on capote pas avec ça, on mange l'arc-en-ciel, mais on garde ça en tête. OK? Au niveau du cancer, c'est une des recommandations de manger avec le moins de pesticides possible, qui veut dire dans notre jardin. Hein, on sait ce qu'on met, on ne met pas de pesticides dans notre jardin, on ne met pas de pesticides sur nos gazons, on ne met pas de pesticides alentour de chez nous. Si nos communautés en mettent, on peut s'impliquer et dire « on arrête ça hein? ». Ensuite, je voulais vous parler d'une autre recommandation au niveau du cancer. Puis en fait, les recommandations pour le cancer, ça irradie sur toutes les autres maladies, pratiquement toutes, pratiquement. OK, à moins qu'il y en a que c'est génétique, là, il y a différents problèmes. Mais tu sais, quand on parle du sucre, hey, le sucre, là, il est sur le banc des accusés, il est en cours, les juges, les médecins, les nutritionnistes, les diététiciennes, tout le monde, on s'entend, moi comme entraîneur, on s'entend, là, j'entends beaucoup de choses. Là. Le sucre, ça tue, là. Difficile, c'est addictant au cerveau, c'est une drogue, ma foi du bon Dieu, c'est incroyable. Mais là, je vais vous donner des sucres que vous pourriez échanger contre les sucres transformés. Tu sais, on parle du sucre blanc. Oui, on utilise, là. Je l'ai acheté pour faire des marinades, différentes affaires, mais c'est pas de quoi que je mange beaucoup. OK, on va en donner, on en fait. C'est un plaisir de la vie qui est à côté. Même chose, je ne capote pas avec ça. Mais après ça, il y a le sirop de maïs. Je le sais, là, les fêtes s'en viennent. Puis il y a beaucoup, beaucoup de recettes que c'est du sirop de maïs. Peut-être de penser autrement. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autrement? Ou on le fait, mais pas en grosse quantité. On en fait... On le partage pendant les fêtes et c'est terminé. Hein? C'est pas des buckets, là, des sous de 5 gallons de friandises. Après ça, on a à l'année à manger ça. Et ça pourrait être une option.
Ensuite, on a les dextrose. Tout ce qui est dextrose, quand vous virez le dextrose, rose, là, habituellement, là, il y a beaucoup de sucre là-dedans, puis lisez vos étiquettes. On les change pour du miel. Puis au Canada, on est chanceux. La plupart de nous autres, c'est comme moi, chez nous, il y a plein de gens qui ont du miel qu'on peut acheter local. Fait que c'est une bonne façon de manger du miel, quand même pas trop dispendieux. Puis si vous n'aimez pas le miel, le miel, ça s'apprivoise à ce goût-là. Dans nos tisanes, on ajoute tranquillement quand on fait nos tisanes maison, puis on s'habitue à ce goût-là, puis on l'aime. Hein? Un bon sirop pour la gorge. Du miel, ça aide la gorge. Ensuite, on a le sirop d'érable, bien sûr. Colline, tu sais, hey! C'est nous autres qui fait du sirop d'érable, la gang. Tu sais, on a plein partout trouvé. Il y a des gens qui vont produire du sirop d'érable à une échelle familiale. Puis souvent, ils vont en vendre dans leur communauté. Entre autres, mes parents, c'est comme ça. On en vend. Moi, j'en ai au gym. Puis c'est produit chez nous, dans une petite paroisse. Moi, j'ai été élevée là. Ça s'appelle Free Grain. Free Grain, c'est là aussi. Dans le nord du Nouveau-Brunswick, une belle petite cabane de sirop d'érable. Ils produisent le sirop d'érable. Maman fait le beurre d'érable. C'est elle qui en fabrique, mais à une échelle familiale, locale. Puis même locale, elle ne pourrait pas fournir tout le monde. Tu sais, il y a les clients qu'on en vend un peu. C'est des plaisirs de la vie. C'est du bon. Ben, du sucre, c'est du sucre, là. Mais il n'est pas transformé, pas de produits chimiques. Ensuite, dans mes lectures, on parlait du stevia. Le stevia aussi, pour moi, c'est une adaptation, ce goût-là. Pour moi, qui n'est pas très sucré, tout ce qui est stevia, pour moi, c'est over stevia. Il n'a ben trop. Stevia plus. Tabarouette que je trouve ça difficile. Tu sais, il y a une liqueur, là, une boisson là, au genre 7-Up Ginger Ale, puis c'est au stevia. Pour moi, c'est too much. Je couperais ça de moitié, puis je serais correct. Mais je vais boire mon eau pétillante à la place que je fais stevia, chez nous, plus facile. Après ça, il y a le sirop d'agave, qui est un sirop qui est naturel. Puis là, moi, j'ai une de mes amies qui s'appelle Isabelle. Isabelle, elle va être dans une de mes plateformes cet hiver, c'est sûr. Là, je vais y envoyer un message. J'aimerais vraiment qu'elle vienne nous parler de tout ce qui est biologique, tout ça, parce que c'est son travail, c'est elle qui approuve biologique ou non. Puis elle est allée, là, je sens que c'était au Mexique pour essayer que cette ferme-là d'argan voulait exporter au Canada. Puis le Canada doit aller là pour approuver comment ça se fait. Ça, c'est Isabelle. J'aimerais beaucoup qu'elle vienne nous parler de ça. Fait que ce matin, c'était ma petite pensée. Fait que c'est une des recommandations par la Société canadienne du cancer. C'est un endroit avec plein d'informations. J'aime beaucoup Dr. Béliveau. Dr. Béliveau a écrit plein de livres sur le cancer, comment le prévenir surtout. Fait que moi, c'est mes lectures, puis j'essaie de vous verbaliser ça en Dani. Facile, comprenable, pas paniquant. All right? Fait que soyez à la guerre, hein, de ça. Fait que une pensée sucrée. J'aime bien ça, Aline. Pensez, Aline, une pensée sucrée. J'adore ça. Se nourrir, le cancer, c'est, on est souvent ce qu'on mange. Tu sais, ça va être souvent une phrase. Pitch, là, on est ce qu'on mange, mais ça en est fou. Il y a des habitudes de vie qu'on peut changer, mais tranquillement, je vais vous donner des chroniques là-dessus qu'on pourra ajouter, qu'on peut changer dans notre vie tranquillement, puis qui fait une énorme différence en bout de ligne. Fait qu'amusez-vous à penser à ça, allez faire des petites lectures si vous n'avez pas le goût. Puis sinon, ben, on en reste en arrière. Ce matin, moi, j'ai une belle journée. Le mercredi, c'est toujours le fun. Je suis en direct avec vous autres. J'adore vous jaser. Mon défi est toujours d'essayer de rester 20 minutes, pas plus, mais je déborde tout le temps. J'essaye. Puis, c'est ma deuxième semaine. Je donne des cours gratuitement aux aînés. Tellement important de bouger. Hein. Vous savez, vous m'écoutez, ça fait quand même longtemps.
de bouger. Motion is lotion. Fait, ce matin, je vais être à Petit Rocher, dans la ville de Bellevue, à la salle blanche. À la salle où il y en a qui m'ont appelé la salle de l'âge d'or, ça s'adresse aux aînés. C'est notre deuxième cours. La semaine passée, on était au-delà de 60 aînés. On a eu un fun là, incroyable. Belle d'énergie, puis ça me donne de l'énergie quand je suis en avant, je suis en feu. Pas compliqué, là, tu sais. On s'en va, là, on danse, on bouge, puis on fait de la résistance avec des élastiques, puis on parle de plein de choses pendant cette heure-là. Et c'est gratuit. Gratuit à 11h à la salle blanche de Petit Rocher. Ensuite de ça, je me dirige à Belle-Dune, qui est une ville, un village à environ 20 minutes de Petit Rocher ou de Belle-Baie. Puis, à cet endroit-là, c'est pour les aînés aussi. C'est à 1h, à 13h. Puis là, il y a un coût de 5$ que la ville demande. C'est minime, là. Puis, je suis là avec le groupe. La même chose, on s'amuse. Puis, après ça, ben, je vais me lancer dans la peinture parce que là, faut que j'organise mon studio. Ça va être mon studio, là, de live. On va essayer de faire ça pour laisser de la place à Stéphane en Bourcher. Bon, je vais aller vous écouter. Ah, vous lire. Ah, merci beaucoup, Aline. C'est très gentil. Très, très gentil. Merci. Ensuite, ici, Carole. Carole, ma tante de 92 ans fait des exercices sur une chaise 3 matins par semaine. Elle est resplendissante. Hey, Carole, là, je vais déborder là, parce que ça me fait triper, là, ben tête. À la salle blanche, puis à Bédune, avec les aînés, je travaille avec des chaises. Puis, à un moment donné, je suis énergifit. Les gens qui sont là me disent « Ah, qu'est-ce que tu fais? Travailles sur une chaise? » »« Ah, oh, ben oui, tu sais, c'est pour les aînés. »« Ah ouais? » J'efface tout mon tableau. J'ai des chaises. Chez Énergifit, j'ai des chaises dans ma salle d'entraînement. Sortez-vous toutes chez une chaise, puis allez chercher vos BeFit et vos BeFit Pro, puis vos BallFit, la gang. Ils ont sué leur vie. On s'entend, là, ils ont peut-être, je sais pas moi, entre 30 ans puis 50, là, 55. Puis c'est des gens que je vais entraîner, ça fait quand même un bon bout de temps. Puis je savais ce qui était rendu. Bien, regarde, on dit, OK, on peut s'entraîner avec une chaise à tous les niveaux d'entraînement, comme la mère à Carole, ou comme moi, ou comme vous autres, dépendant. Il y a des exercices fantastiques à faire avec une chaise. Puis c'est vraiment le fun à tous les niveaux. Puis c'est des beaux défis. Moi, je dis c'est les bearings du cerveau parce que ça prend de l'orientation spatiale. Des fois, ça chauffe. Hey, merci, Carole, de partager. Merci beaucoup. C'est le fun, ça, Gertrude. Welcome back, Gertrude. Welcome back. Reste avec nous autres, là. On jase. Hey, j'ai oublié. Demain, ça me fait penser. Demain... Wouh! J'ai tellement hâte à demain. Demain matin, je ne serai pas là. Il n'y aura pas de petite capsule demain matin parce que je vais être en direct à 8h, heure du Nouveau-Brunswick et 7h, l'heure du Québec. Qui veut dire, attends, 18h, c'est ça, 19h, l'heure du Québec, puis 20h, l'heure du Nouveau-Brunswick, je vais être en direct. Environ, maximum 30 minutes. Je me mets 20 minutes pour... que je déborde pas à 30 minutes. Allez, venez me trouver, on va avoir des prix, on va avoir des tirages, lancement de la nouvelle plateforme, on va jaser toutes sortes d'affaires, il y a des nouveautés. Ben, vous me connaissez, j'ai plein d'énergie, là, je tripe, là. C'est pour ça que je vais organiser mon studio chez nous à la maison. Fait que, allez, là, je déborde, ça fait 5 minutes de plus. Fait que là-dessus, soyez avec moi demain, hein, là du Québec, 19h, là du Nouveau-Brunswick, 20h, puis on va jaser de toutes sortes de choses. Fait que là, moi, je vais aller me préparer parce qu'il y a des aînés qui m'attendent. On était au-delà de 60. Fait qu'à chaque mercredi, j'enseigne, je fais bouger des gens de nos aînés jusqu'à 80-90 personnes dans la journée. Puis ça m'énergise pour la journée puis même pour la semaine. Fait que là-dessus, on partage, on aime et on commande. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me donne un fameux coup de main. On est rendu à 686. L'objectif, c'est 1000, mais là, on va essayer de se rendre à 700. Let's go! Invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aide beaucoup.
Fait que là-dessus, bye-bye, puis on se parle demain soir. Bye-bye!